Bonjour, bienvenue tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette rencontre mensuelle des conférences du Réseau québécois en soins palliatifs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Josée Chénard comme conférencière qui est professeure à l'UQO et elle va nous entretenir aussi de la réalité des soins palliatifs pédiatriques. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci. Merci François. Ben, d'abord, merci François de m'avoir accompagné dans cette nouvelle réalité. C'est la première fois que je fais une présentation via le web. Donc, merci de ta patience et de ta compréhension. Puis, ben, merci aux personnes qui sont présentes. J'ai changé un petit peu le titre de ma présentation. J'ai décidé de l'intituler plutôt La vie avec un enfant ayant une condition médicale complexe, des décisions multiples et des acteurs pluriels. Vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi. La présentation, puis je vais être vigilante par rapport au temps, mais j'ai tendance à m'emporter, donc je vais tenter de faire pour le mieux, mais si François, tu vois que je me tire dans le temps, tu peux m'envoyer un petit chat là, puis je vais être vigilante par rapport à ça. Donc voilà, le plan de la présentation, une brève mise en contexte. Je vais vous présenter en fait qui sont les enfants qui ont une condition médicale complexe. Je vais vous présenter les questions de recherche et la méthodologie et quelques résultats. Et ensuite, des repères pour l'accompagnement ou en fait des pistes de réflexion que cette étude-là m'a amenées. En fait, une brève mise en contexte, cette recherche-là s'inscrit dans le cadre de mes études doctorales que j'ai terminées en 2015. C'était une préoccupation issue de ma pratique professionnelle qui m'a amenée à poursuivre des études doctorales. J'accompagnais plusieurs enfants, pas vrai. Plusieurs parents, plusieurs familles dont l'enfant présentait une condition médicale complexe et je voyais bien toutes les retombées psychosociales de cette situation sur la réalité de l'enfant et de sa famille, mais j'avais peine à pouvoir répondre aux besoins de ces familles-là. Donc, ça m'a amenée à m'interroger sur la façon dont ces parents prennent des décisions au nom de leur enfant gravement malade. Donc, j'ai été voir la littérature et souvent dans la littérature, les études portent sur les décisions médicales qui confrontent ces parents-là. C'est souvent une étude sur une décision, comme si il n'y avait qu'une seule décision auquel les parents étaient confrontés. Les études parlent également des acteurs impliqués dans ces décisions-là, donc souvent des médecins, des parents. Et la relation qui les unit. Pour constater finalement qu'il y a peu ou pas d'études qui portent sur les autres décisions auxquelles sont confrontés les parents et sur la séquence des décisions. Donc, je me suis intéressée à l'idée de la trajectoire. Hein, on connaît le sociologue Strauss qui a parlé de la trajectoire de la maladie, de la façon dont l'organisation du travail est déployée pour suivre la progression de cette maladie-là et ses impacts sur la personne, sur le malade, sur les soignants, sur les proches, etc. Donc, je me suis intéressée justement à cette trajectoire. Donc, quelles sont toutes les décisions auxquelles les parents sont confrontés? Et là, je parle, on va le voir, pas seulement des décisions médicales. Donc, la question de recherche à l'origine de cette étude, quelles sont les trajectoires décisionnelles de parents qui vivent avec un enfant qui a une condition médicale complexe? Donc, quelles sont les décisions auxquelles ils sont confrontés? Comment ces décisions-là sont-elles vécues par les parents? À quel moment de la vie de l'enfant surviennent ces décisions-là? Et quels sont les motifs qui viennent appuyer? Sur quoi ils se basent en fait pour prendre leurs décisions? Et peut-on dégager des trajectoires types. Donc voilà, ça a été une méthodologie, une recherche qualitative où j'ai rencontré les parents de 15 enfants, donc au total 25 parents, 15 mères et 15 mères et voyons, le reste,
des pères. Les mères, quelques mères monoparentales, ce qui explique que les pères n'ont pas participé, mais il y avait des pères également qui refusaient de participer. Donc, ça a été un processus itératif et continu d'analyse des données, donc une analyse diachronique, c'est-à-dire la succession, l'analyse, la succession temporelle des décisions, puis une analyse thématique classique là, où on compare, on catégorise, puis on met en relation de façon à faire émerger le sens de la décision et de sa trajectoire. D'abord, il faut comprendre qui sont les enfants qui sont atteints d'une condition médicale complexe. Ce sont des enfants qui sont atteints d'une condition chronique complexe, c'est-à-dire une maladie chronique, qui, si on regarde la définition, je fais juste, j'espère que je vais pouvoir revenir en arrière, mais qu'est-ce que c'est une condition chronique complexe? Si on regarde le groupe de travail sur les normes en matière de soins palliatifs pédiatriques, on dit que ce sont des conditions médicales dont la durée prévisible est d'au moins une année et qui atteignent plusieurs organes ou un organe assez sévèrement pour exiger des soins pédiatriques spécialisés et possiblement une hospitalisation dans un centre tertiaire. Et voilà, je peux reculer, merci. Donc voilà, ce sont des enfants qui sont évidemment gravement malades. Dont pour lesquels un diagnostic a été posé ou est en voie de l'être. Il arrive souvent que c'est des maladies génétiques orphelines, donc il est difficile de poser un diagnostic clair. C'est souvent des enfants qui ont des incapacités physiques, intellectuelles, et dont certains sont d'ailleurs maintenus en situation de dépendance médico-technologique à domicile, c'est-à-dire des enfants qui sont trachéotomisés, ventilés à domicile, gavés. Voilà. Donc, des enfants qui ont une maladie chronique, des incapacités sévères, qui sont maintenant en situation de dépendance, donc qui ont besoin, qui recourent aux services médicaux régulièrement, souvent, intensément, qui requièrent également des services de réadaptation spécialisés. Donc, tout ça, on comprend qu'a un impact significatif sur l'enfant, mais aussi sur sa famille. Et là, on parle d'impact sur l'enfant, sur la famille. Il y a plusieurs retombées psychosociales. On pense par exemple à des tensions au sein du couple, des difficultés financières. On peut penser à des difficultés, la fratrie qui réagit fortement, c'est-à-dire que la tension de toute la famille est centrée sur l'enfant qui est malade, donc la fratrie est un peu laissée pour compte, donc exprime par différents comportements. Un appel à l'aide ou en tout cas manifeste sa présence de quelconque façon. Donc, l'idée n'est pas de vous entretenir sur les retombées de cette condition médicale complexe, mais plutôt de parler des décisions. Donc, je glisse rapidement sur quelques résultats issus de cette recherche. Comme je le disais, je me suis intéressée aux trajectoires décisionnelles. Donc, regarder avec les parents, j'ai déconstruit et reconstruit avec eux tout l'ensemble des décisions auxquelles ils ont été confrontés. Là, je mets ça comme ça, ça fait peur un peu, mais l'idée, je sais que vous ne voyez pas très bien, ici, c'est la flèche décisionnelle de Jérémy. Jérémy est un enfant pour lesquels il a été un enfant très, très désiré. Les parents ont été en consultation en technique de procréation assistée. Rien ne fonctionnait. Se sont tournés vers l'adoption internationale. Et au moment où ils sont sur le point d'aller chercher l'enfant qu'ils ont adopté, maman a des douleurs abdominales, se retrouve à l'urgence et on diagnostique finalement que maman est enceinte de jumeaux. Donc, ça a été une nouvelle, une grande nouvelle, mais en même temps, une nouvelle qui a suscité plein de toutes sortes d'autres choses. Donc, je vous présente là, je sais que vous ne voyez pas comme je l'ai dit, mais juste pour
vous permettre de visualiser un peu l'ensemble des décisions auxquelles les parents peuvent être confrontés. On parle ici des parents de Jérémie. Les triangles rouges, par exemple, ce sont des décisions médicales. Donc, on les voit, hein, dans les 5 premières années de la vie de l'enfant, pas les 5 premières années, c'est-à-dire les 5 premières semaines de la vie de cet enfant-là, il y a eu beaucoup de décisions médicales et ces décisions-là ont entraîné d'autres décisions. On voit les triangles jaunes, par exemple, des décisions à caractère plus psychosocial, des décisions, les triangles verts, des décisions financières ou professionnelles. Et les triangles violets, ce sont des décisions à caractère qui visent l'intégration sociale de l'enfant, donc adaptation du domicile, le placement de l'enfant, le répit. Non, le placement est plus une décision, excusez, psychosociale, mais de répit, de fréquentation scolaire, d'intégration garderie, décisions visant l'intégration sociale, et il pourrait y en avoir d'autres, ce ne sont que des exemples. Les décisions psychosociales étant, par exemple, la décision d'avoir un autre enfant, d'avoir ou non un autre enfant, la décision, par exemple, d'accepter l'aide psychologique, accepter de faire baptiser l'enfant. Bref, toutes sortes d'autres décisions. Donc, et là, j'ai mis dans les cercles quelle était la situation qui prévalait au moment de prendre ces décisions-là. Et les rectangles, c'est plutôt les déterminants, c'est-à-dire ce qui est venu influencer la décision des parents. Donc, l'idée de ce schéma-là, c'était vraiment plus pour illustrer, rendre compte de la multiplicité des décisions auxquelles les parents étaient confrontés, les parents ici de Jérémie. Donc, une fois qu'on voit ces décisions-là, on constate que les trajectoires des parents, les trajectoires décisionnelles sont complexes. Sont complexes pourquoi? Parce que les trajectoires sont faites de plusieurs décisions, donc de multiples décisions. Et là, on parle de type et d'objet de décision, des décisions médicales de réanimer ou pas, de limiter les traitements, de faire des chirurgies, etc., etc., des décisions professionnelles, comme je viens de le dire, l'intégration, les décisions psychosociales. Ce qu'on a pu mettre en évidence dans cette étude-là, c'était l'interdépendance des décisions dans le temps. C'est-à-dire qu'une décision médicale, ce n'est pas une simple décision médicale, c'est une décision qui entraîne d'autres décisions. On a remarqué aussi que ces décisions-là sont souvent prises dans des contextes d'incertitude, où il est impossible de prévoir la suite. Bon, on fait la chirurgie, on fait pas la chirurgie, on extube l'enfant ou on l'extube pas. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être quoi les résultats? C'est très difficile à anticiper, à prévoir. Un autre élément qui fait que les décisions sont difficiles et qui sont complexes, que les trajectoires sont complexes, c'est que les parents doivent décider au nom de l'enfant sans vraiment savoir ce qu'il souhaiterait, ce que lui souhaite. Donc, ça, c'est très, très difficile pour les parents. Parce que l'enfant ne parle pas, même quand il est âgé de 14 ans, c'est souvent des enfants, comme je l'ai dit tantôt, qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle, donc c'est très difficile pour les parents. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. On le dit, hein, les enfants qui ont une condition médicale complexe, ce sont souvent des enfants qui sont suivis par au moins, en moyenne, pas au moins, mais en moyenne, par 13 médecins issus de 6 spécialités différentes. Donc, ça fait du monde. En plus des intervenants en réadaptation, en plus des psychologues, des travailleurs sociaux, bref, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent influencer les décisions. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer les décisions. Et là,
j'ai fait, je vais vous présenter une petite analyse de ces facteurs-là, mais brièvement. Donc, on voit ici en comment, à quel point la trajectoire, elle est complexe. On voit qu'il y a plusieurs décisions. On se rappelle que chacune des décisions est un triangle d'une différente couleur. Il y a des lignes, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, autour de chacun de ces triangles-là. Il y a des petites lignes très fines. En fait, ça vient illustrer tous les facteurs d'influence sur chacune de ces décisions-là. Et on voit les lignes qui relient certaines décisions. Donc, comment chacune est interdépendante des autres décisions. Voilà. Donc, les facteurs d'influence, il y en a plusieurs. Si on regarde au niveau des parents, les valeurs, les croyances, l'intuition, c'est quelque chose qui est très, très fort, qui vient influencer, en fait, les décisions. Et là, je vous ai donné quelques exemples de propos de parents. Je veux dire que c'est mon bébé, on veut le garder, mais en même temps, je voulais pas la garder à tout prix. Hein? Donc, on voit un peu ce tiraillement-là. Je voulais pas la garder à tout prix. Je trouve que des fois, on surestime le prix de la vie parce que les gens mélangent le fait d'exister, le fait de vivre. Donc, une autre maman qui dit, la mère d'Alex qui dit, ben Dieu, bien qu'on n'est pas très croyant, on est croyant, mais on n'est pas pratiquant. Mais tu sais, il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui décide que cet enfant-là s'en vient chez nous, ben on va s'en servir, on va l'accueillir, puis on va l'amener chez nous. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a décidé, en remettant un peu la décision dans les mains de Dieu. Est-ce que cet enfant-là va survivre? Si oui, ben on va le prendre, puis on va accepter ça. Donc, la maman Chelsea qui dit, fait que j'essayais de leur dire qu'il y avait un problème. Hein, quand on parle d'intuition, tout est beau, madame. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct avec mon bébé. Je leur disais, mais ils me disaient toujours non, non, non. Vous partez cet après-midi, tout est beau. Je pouvais pas mettre le doigt dessus, mais je trouvais qu'il y avait quoi de pas correct avec mon bébé. Quand tu as accouché, tu es fatiguée, puis bon, mais ben, finalement, on s'occupe pas trop de cette petite voix qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, mais finalement, l'expérience lui a donné raison. On voit aussi que les parents sont à la recherche de signes qui traduisent la volonté de l'enfant. Ils cherchent par tous les moyens de s'accrocher à quelque chose. En fait, c'était probablement la fin, hein? C'est un peu le contexte. Mais moi, je suis allée parler à Olivier, puis je lui ai dit, Olivier, si t'es tanné, si t'es au bout de ton rouleau, tu peux y aller, c'est correct. Si tu as envie de te battre, par exemple, je suis fatiguée, je suis plus capable, mais je vais me battre encore avec toi. Fait qu'il a lâché un gros soupir. Tu sais, pourtant, il comprend pas, il parle pas. C'est comme un genre de coma, mais il y a quelque chose qui a passé entre nous. À partir de là, je me suis dit, il veut se battre encore, je vais continuer. Hein? Donc, c'est l'interprétation que les parents font de ces petits signes-là qui est très intéressant. La maman de Rebecca qui dit, à partir de là, moi, bien, parce que j'étais pas capable de savoir ce que ma fille voulait vraiment, parce que je voulais pas la garder contre son gré en vie, je me suis donné la limite que si elle fait un arrêt respiratoire, on fait des manœuvres de réanimation. Si elle fait un arrêt cardiaque, ben on arrête. Pour moi, c'était comme si elle disait, OK, j'en ai assez. Son cœur arrête, c'est parce qu'elle en a assez. Pour moi, c'était ça, c'était le point, c'était la limite que je m'étais donnée. On voit aussi que les représentations que les parents se font de la qualité de vie de l'enfant viennent aussi influencer les décisions. C'est-à-dire le père de Julien qui dit, Julien, comment je pourrais vous dire? Ben lui, on semble sentir qu'il est heureux, mais c'est un bonheur qui, moi, je trouve, qui est assez limité. On ne sait pas parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec lui, mais on est communiqué étant parlé, mais on a l'impression que ça va bien. Il a déjà été plus malheureux que ça avant quand il était malade, parce qu'il avait été déjà très, très malade, plus malade. Mais c'est justement qu'est-ce qu'une bonne, une bonne qualité de vie? Première des choses, il faut que tu aies une intelligence.
Tu es l'intelligence, c'est-à-dire. Il faut que tu sois capable d'être conscient de qu'est-ce qui se passe dans ton environnement. Il faut que tu sois capable de marcher. Il faut que tu sois capable d'être propre. Il faut que tu sois capable de travailler pour être autonome dans la vie. Pour moi, c'est comme, c'était non négociable, l'autonomie. Donc, pour cette mère-là, il y a des décisions qui sont venues vraiment, c'était l'autonomie qui était, qui dictait la décision, la voie à prendre. Il y a aussi les représentations face à la médecine, c'est-à-dire la maman, la mère d'Héloïse qui dit, ben ils font tellement de miracles aujourd'hui qu'ils vont la sauver puis ça va être correct. La maman de Rosalie qui, elle, plutôt dit, mais il faut être capable à un moment donné de dire oui, la vie, oui, mais la vie à tout prix, Sauf qu'aujourd'hui, avec la médecine moderne, ça n'existe plus, ça. Et ça, c'est triste. Il y a aussi, les parents entretiennent beaucoup l'espoir de guérison ou d'amélioration de leur condition, de la condition de leur enfant. C'est-à-dire, c'était la mère d'Alice qui dit, c'était la même chose, ça a toujours été notre espoir qu'elle soit capable. On voulait lui laisser une autre chance pour que, un jour, pour voir qu'est-ce qu'elle serait capable de faire. Je pense que les parents, on a toujours espoir, on a espoir que notre enfant s'en sorte ou sa condition s'améliore. Il y a aussi, et là je vais juste prendre mes notes 2 secondes. Je m'excuse. Ici. Je prends mes pages. Donc, la compréhension des informations, c'est vraiment très important de valider ce que les parents comprennent des informations qu'on leur transmet. Je pense par exemple, l'exemple classique, c'était, bon, ben maintenant, on pense que c'est le moment pour Jérémy, par exemple, d'orienter vers les soins palliatifs. Et là, ça crée toute une stupéfaction, un choc et même de la colère parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement sur le moment ce que signifie être en soins palliatifs pour un enfant comme Jérémy. Il y a aussi d'autres facteurs d'influence, c'est-à-dire l'enfant, son âge, le diagnostic, le pronostic, la trajectoire de sa maladie, ses incapacités, ses progrès, mais aussi son potentiel de développement. Évidemment, l'inconfort, la douleur, c'est aussi des éléments qui vont venir influencer, les décisions et la trajectoire. Il y a aussi la fratrie, hein? Je l'ai dit tantôt comme parlant des retombées les retombées psychosociales de la condition médicale complexe. Les enfants, j'ai remarqué que les enfants ne participent, la fratrie, c'est-à-dire ne participent pas directement à la décision, mais leurs propos ou leurs comportements agissent implicitement sur la décision. Implicitement, et je dis entre parenthèses, plus tardivement, c'est-à-dire plus loin dans la trajectoire, plus loin dans la vie de l'enfant qui est gravement malade. Et je donne l'exemple de la mère d'Olivier, par exemple, qui dit, fait que ça, on sentait à un moment donné que, oups, les plus jeunes, parce qu'ils avaient 2 autres enfants qui étaient plus jeunes qu'Olivier, eux autres, ils trouvaient ça dur. Tu sais, on sort jamais. On est toujours pogné à la maison. Je ne peux pas ben ben inviter du monde. C'était surtout le fait qu'on ne sortait pas, qu'on ne faisait jamais rien. Puis, toujours une mère fatiguée, fatiguée, fatiguée. Une maman qui n'avait pas le goût de faire quoi que ce soit, en fait. Tu sais, c'est difficile. Fait qu'on a, ben, on va faire une demande de placement. Parce qu'on sait que c'est long, trouver une famille d'accueil ou une ressource d'hébergement pour ces enfants-là. Donc, ils se sont pris à l'avance. Sauf qu'on a attendu quand même que la fratrie, exprime des difficultés de comportement. Une adolescente, l'adolescente, la sœur, une des 3 enfants avait des idées suicidaires. Donc, on attend très, très longtemps avant de penser, de se préoccuper. Et je dis ça en tout respect de ces parents-là. Hein, on comprend dans quoi ils sont pris. C'est pas simple, c'est pas facile.
Il y a aussi tout le réseau de soutien. Là, je regarde l'heure. OK. Le réseau de soutien. Ces familles-là ont un réseau de soutien. On pense au réseau de soutien informel, au réseau de soutien semi-formel et au formel. Le réseau de soutien informel, c'est vraiment les membres de la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail. Le réseau de soutien semi-formel, plutôt les organismes communautaires, les groupes d'entraide, les organismes de philanthropie. Et les réseaux de soutien formels, c'est-à-dire les médecins, les professionnels, les infirmières. Et là, on parle du centre de réadaptation, de l'hôpital régional, de l'hôpital spécialisé, du CLSC, de la garderie, de l'école, Alouette. Il y en a une multitude, comme j'ai dit tantôt. On voit, je pense que je vais me limiter à ce tableau-là par rapport au soutien. On voit que il y a différents types de soutien. Le soutien à la décision, donc le soutien dans cette réflexion, dans la décision, ou le soutien émotif. On voit que le soutien informel, le réseau de soutien informel est pas très actif dans ce type de soutien-là. À la limite, même souvent, les grands-parents, l'exemple classique, c'est les grands-parents, les parents appellent leurs parents pour leur parler de la situation, de la condition, les décisions auxquelles ils sont confrontés. Et les grands-parents, au bout du téléphone, pleurent, ils sont très touchés par la situation. Donc, ce n'est pas auprès d'eux qu'ils peuvent nécessairement trouver le soutien. Toutefois, le réseau informel est très, très, très actif au niveau du soutien organisationnel. Par exemple, préparer des repas, donner de l'argent, entretenir la maison, garder la fratrie. Donc, ils sont très, très actifs à ce niveau-là. Ils agissent parfois comme agents de stress, toutefois, parce que, ils veulent s'impliquer dans les décisions, ils veulent dire leur petit mot, leur opinion, et ça crée des tensions au sein du couple. Ça crée des scissions, ça crée des frictions. Donc, on voit bien là, le stress que ça peut créer. Le réseau de soutien informel au niveau de la décision ou du soutien émotif n'est pas très actif. Il est pas du tout actif, en fait. Il est surtout actif au niveau du soutien organisationnel par le répit, par le soutien financier, par des groupes de soutien. Et comme agent de stress, un petit peu quand l'organisme, par exemple, n'arrive pas à répondre aux besoins des parents, c'est-à-dire que l'offre de service offert est inférieure à ce que la famille aurait besoin. Donc là, ça crée des frictions. Et sinon, le réseau de soutien formel est un peu actif quand même dans le soutien à la décision, dans le soutien organisationnel un petit peu aussi, étonnamment, et ça m'a beaucoup surpris. Je vais vous donner quelques citations tantôt. Et comme agent de stress, ben là, je pense qu'on a du travail à faire. Et là, c'est une personne, hein, on s'entend, c'est tous les professionnels, qu'on soit médecin, travailleurs sociaux, psychologues, infirmières. Il y a du chemin à faire là. Donc, ça, je l'ai dit, le soutien à la décision, en fait, dans le réseau informel, ce que je disais, la mère de Florence qui dit, j'appelais ma mère, on appelait les parents. Oups, excusez, j'ai bougé. Bon, on appelait les parents de Michael, son conjoint, par exemple. Ma mère, mon père, des amis, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Qu'est-ce que vous en pensez? On s'est vite rendu compte que c'est une perte de temps et d'énergie parce que de toute façon, la décision finale, elle nous appartient. Puis souvent, ça nous mêlait plus que d'autres choses que de consulter nos proches. Et ça, c'est souvent au début de la trajectoire, je vous dirais que c'est comme ça. Ils ont tendance à aller vers leurs proches. Puis plus qu'on avance dans la trajectoire, moins ils se tournent vers leurs proches pour demander du soutien dans la prise de décision. Du soutien organisationnel, je l'ai dit tantôt. Comme agent de stress, j'en ai parlé un petit peu. Par exemple, la maman de Rosalie qui dit, alors là, ça a créé de la chicane dans la famille parce que moi, ma mère, elle était de mon bord. Elle trouve, voyons, pourquoi ça change? Je m'excuse. Elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens.
Elle ne voulait pas que j'aille dans un hôpital américain. J'ai dit, maman, disons Charles, lui, il veut y aller dans l'hôpital américain aux États-Unis. Mais oui, mais ça n'a pas d'allure. Puis ta décision à toi est aussi importante que la sienne, blablabla. Ça crée des frictions, vraiment. Puis à un moment donné, je me suis choquée. J'ai dû dire, là, c'est pas ton enfant, en parlant de sa mère. C'est mon enfant, puis c'est l'enfant de mon conjoint. On va prendre la décision ensemble. Puis tu sais, ça a vraiment pris des larmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes, de crises, etc. Donc, on voit vraiment que ça crée du stress. Le réseau de soutien informel, bon, je l'ai dit, j'en ai parlé. Le réseau de soutien formel en soutien à la décision. On voit que les parents reçoivent du soutien, surtout quand il s'agit de décisions médicales. Les parents reçoivent du soutien du médecin ou des médecins, de l'équipe médicale. On voit aussi que la qualité du soutien va dépendre du modèle relationnel. Et là, je pense que j'ai ajouté, non, je n'ai pas. Du modèle relationnel, est-ce qu'on est dans un modèle de relation plus paternaliste, médecin-parent, autonomiste ou plus centré sur le partage de la décision? On voit que l'influence des médecins et des professionnels, c'est sûr, même si on ne le veut pas, les valeurs qu'on porte comme professionnel viennent teinter, viennent à certains égards. Des fois plus, des fois moins, et viennent teinter les décisions. L'information, qu'est-ce qu'on transmet? Je donne l'exemple de la décision médicale. Qu'est-ce qu'on transmet comme information? On fait la trachéo, par exemple. C'est quoi les risques? C'est quoi les conséquences pour l'enfant? Mais on parle souvent peu des conséquences pour la famille, des risques pour la famille. Qu'est-ce que ça va entraîner? On parle peu aussi, oui, on sauve la vie, on prolonge la vie de cet enfant-là, mais on parle peu des ressources après. Quand l'enfant va être à domicile, est-ce que la famille va avoir des ressources? Est-ce que l'enfant va avoir les services à hauteur de ses besoins? Et ça, en tout cas, ce que j'ai pu observer, comprendre des propos des parents, c'est non, on en parle peu. J'ai pu observer également que les parents arrivent parfois difficilement à nommer leurs valeurs. Qu'est-ce qui est important pour eux au moment de prendre la décision? C'est pas quelque chose qu'ils sont capables de faire. Ils ont besoin d'aide, d'accompagnement pour le faire. Et là, je parlais de l'information qu'on transmet au moment de quand vient le temps de prendre une décision médicale, par exemple, et il y a une mère qui racontait, la maman d'Annie, qui racontait sa conversation avec un médecin, un intensiviste. L'intensiviste nous a dit, elle nous a dit au moment de la décision du congé, ah, vous allez vivre des moments difficiles. Du congé étant, est-ce qu'on amène l'enfant à domicile ou pas? Les parents voulaient amener l'enfant à domicile et le médecin a eu une discussion avec les parents à cet effet-là. Et là, vous allez voir, ça fait, c'est de l'ouvrage, une surcharge de travail, etc. Quand on dit OK, elle a dit oui. Elle a dit, je vais toutes vous donner les formations que vous avez besoin. La seule affaire, parce que c'est une entente qu'elle nous a fait signer, c'était qu'on prenait du répit. Elle ne nous laissait pas sortir si on ne prenait pas une fois par mois des répits, puis qu'on ne partait pas un ou deux jours, deux, trois nuits par 6 mois. Elle dit, si vous ne faites pas ça, vous allez faire un burn-out. Donc, c'était un type d'information, et ça, très peu de parents ont parlé de ça. Le soutien organisationnel, là, on est encore dans le réseau de soutien formel, c'est-à-dire les médecins, les professionnels, les infirmières. Ils aident les parents à compléter des formulaires, à défendre les intérêts de l'enfant auprès du gouvernement. Mais on voit aussi que ces gens-là s'impliquent dans des corvées. Et ça m'a quand même surpris. Un matin, un vendredi, la mère de Jérémy qui dit, ils nous ont appelés, c'était l'infirmière de la clinique, la clinicienne là-bas. Elle dit, bon, ben, on s'en vient chez vous, on s'en vient faire du ménage samedi matin. OK.
Tu sais, c'est drôle. Il est 8h30 le matin. Il y a le pédiatre qui arrive chez vous avec l'infirmière, la clinicienne, la nutritionniste, avec leurs jeans, leurs bières, puis leurs affaires. On s'en vient faire le ménage. Puis ils amènent les Timbits, puis ci, puis ça, puis le café le matin. Tu les vois grimper dans les échelles en bas, puis en train de frotter partout. Fait qu'elles sont venues vider le sous-sol, nettoyer le sous-sol avant qu'on puisse continuer à faire nos affaires, parce ils étaient dans une période où d'adaptation du domicile de la maison pour mieux répondre aux besoins de l'enfant. Donc, comme agent de stress, les parents, quand ce sont des parents, je l'ai dit, je pense tantôt, ou je le répète en tout cas, ce sont des enfants qui sont à risque d'hospitalisation fréquente ou d'hospitalisation prolongée. Il y a plusieurs des enfants que j'ai rencontrés qui ont passé la première et même les 2 premières années de leur vie à l'hôpital. Donc, ces parents-là, ils sont confrontés souvent au jugement des professionnels, les jugements, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient sur le choix qu'ils font, que les parents font. Je dis aussi un agent de stress parce que il y a les parents entendent des opinions contradictoires, puis là, ils ne savent plus qui croire, qui pas croire. Les parents parlent aussi du manque de collaboration entre les professionnels, ce qui facilite pas la continuité des soins, la continuité des services. Et les parents aussi décrivent le peu ou pas de lien interorganisationnel, c'est-à-dire quand l'enfant quitte l'hôpital surspécialisé, l'hôpital spécialisé, s'en va dans sa région, il y a un transfert d'informations qui se fait, mais il y a un manque de continuité. Le pédiatre de la région, par exemple, il y a certaines informations qu'il ne sait pas. Donc, c'est le pédiatre qui doit prendre en charge, prendre rendez-vous avec le médecin spécialiste ou l'équipe de médecins spécialistes. Bref, ça ne se fait pas d'emblée, là. Le type de relation, j'en parlais tantôt, hein, est-ce qu'on est dans une relation paternaliste où c'est le médecin qui décide, ou on est dans une relation plus autonomiste où c'est les parents, et ce sont les parents qui doivent décider, ou on se situe plus dans un partage où là, on est dans une relation plus égalitaire, où il y a un dialogue possible entre les parents et les professionnels. Ça aussi, ça vient grandement influencer les décisions. Il y a évidemment d'autres facteurs d'influence comme le contexte. J'en ai parlé brièvement tantôt, l'impossibilité pour les médecins de poser un diagnostic clair, de confirmer le pronostic ou de prédire l'étendue des séquelles. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, d'imprévisibilité. Le temps de réflexion est parfois très court en situation d'urgence ou après un épisode très difficile aux soins intensifs, une période d'accalmie. Oups, là, on va prendre des décisions, mais on voit très bien que les parents n'agissent pas de la même façon selon ce contexte d'urgence ou d'accalmie. Le type et les objets de décision et évidemment la trajectoire de la maladie. Et il y a évidemment la question du temps. Non, qu'est-ce que je dis là? Le contexte. C'est le contexte, voilà. Souffrance accumulée, la douleur, ça aussi, ça vient influencer les éléments de contexte. Et il y a le temps, l'expérience que les parents acquièrent au fil de cette trajectoire-là. Donc, toute la question de la littératie en santé, la capacité des parents à bien comprendre l'information qui leur sont transmises, mais aussi à adopter ce langage-là. La capacité des parents qui d'anticiper les décisions ou l'effet de leurs décisions, de poser aussi un regard rétrospectif sur les décisions qu'ils ont prises antérieurement, qui viennent avec le temps influencer les décisions qu'ils ont à prendre maintenant. Voilà, je vois le temps qui presse. En fait, j'ai pu identifier 3 types de trajectoires. La trajectoire centrée sur la survie de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a des parents que j'ai rencontrés pour qui c'était la survie qui était le modus operandi
de la naissance jusqu'au moment où j'ai rencontré l'enfant, c'était la survie qui primait. Dans d'autres situations, et évidemment, ben, quand on dit centré sur la survie, c'est on fait tout, on accepte tout, on refuse évidemment les soins palliatifs, mais on veut des chirurgies, on veut, on veut, on veut. Ce qui, à certains égards, crée des tensions avec l'équipe médicale. Il y a des trajectoires qui sont centrées sur la qualité de vie. Donc, c'est la qualité de vie depuis la naissance de l'enfant. Les parents sont très préoccupés de la qualité de vie. Et je pense à la maman tantôt qui disait l'autonomie pour elle, c'était important. La capacité d'entretenir un lien conscient, une relation consciente, pour elle, c'était bien important. Donc, elle ne voulait pas se retrouver avec un enfant qui avait des incapacités intellectuelles. Donc, pour elle, la qualité de vie, mais c'était la qualité de vie de l'enfant, mais aussi la qualité de vie de la famille. Au début de la trajectoire, c'est la qualité de vie de l'enfant, et plus on avance dans le temps, plus la qualité de vie de la famille devient omniprésente. Et il y a la trajectoire, c'est la plus commune, évidemment, la trajectoire qui évolue de la survie vers la qualité de vie. Ce qu'on voit aussi, c'est des parents qui sont confrontés à des dilemmes intenables, parfois intenables, c'est-à-dire la qualité de vie de l'enfant, comme je viens de le dire, ou et la qualité de vie de la famille. On l'a vu, ce sont des enfants qui requièrent beaucoup, beaucoup de soins. Oui, la qualité de vie de l'enfant, mais mon couple est où là-dedans? Ma famille est où là-dedans? Mes autres enfants sont où? Donc, les parents sont constamment tiraillés entre ces enjeux-là. Les modes de prise de décision que j'ai pu observer, il y a des décisions, un mode de décision que j'ai qualifié de par consensus, c'est-à-dire que les deux conjoints vont entreprendre un processus de délibération jusqu'à ce qu'ils parviennent ensemble à un consensus. Il y a d'autres couples où on a pu observer des décisions plutôt par concession. Par exemple, le père de Rebecca qui dit c'était vraiment la gestion à court terme, tu sais, la gestion émotionnelle, parler des émotions, de ce qu'on vivait l'un et l'autre par rapport aux décisions. Je pense qu'on le faisait pas vraiment parce qu'on attendait que ça se règle. Tu sais, je pense qu'on se permettait pas de vivre nos émotions parce qu'on se disait bon, regarde, oui, ça va bien présentement, puis ça va se replacer. On attendait juste que ça se replace. Je pense que c'était plus que dans ce sens-là. Donc, ça a créé des tensions. Hein, si on ne se parle pas de ce qu'on vit, ça crée des tensions. Et je ne dis pas que c'est la raison, mais c'est un couple qui sont actuellement séparés. Là, je ne dis pas que c'est la raison, mais bon. C'est peut-être un facteur qui contribue à. La maman de le père de Chelsea qui dit quand elle décide de faire de quoi en parlant de sa conjointe, OK, on va le faire, je la suis. J'aime pas ça me chicaner avec elle. Des fois, je trouve la décision qui est ridicule, mais on la fait pareil parce que ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie pour se chicaner. Donc, on fait des concessions. Il y a des décisions que j'ai appelées aussi par abdication, c'est-à-dire que des décisions en tant que telles, on en a-tu vraiment pris, on s'est laissé porter par le fil des événements. Donc, c'est par abdication dans le sens où les parents avaient l'impression de ne pas avoir de choix. Pas avoir de choix, et là, on pourrait poursuivre la réflexion un petit peu plus loin parce que le médecin décidait pour lui, parce que il voulait pas prendre de décision, pour toutes sortes de raisons. Il y a le papa de Rebecca qui dit aussi les décisions qu'on avait à prendre nous étaient rarement exposées comme des choix. C'est plus, ben voici la situation, voici ce qui nous reste comme option. Fait que c'est rarement exposé comme un choix. C'était plus exposé comme des faits. Fait qu'ils nous exposaient la décision qui était prise, puis ils attendaient qu'on dise, ben OK, on n'a pas le choix, puis on y va.
Et la décision, les décisions par abnégation, c'est-à-dire, c'était souvent le propos de mère. Et là, on voit la mère de Jérémie qui dit, ben, c'est ma nature de prendre soin des autres. Oui, c'est moi tout court. Donc, je suis comme ça, je prends soin de mes enfants, je prends soin de mon chum, je prends soin de mes amis, ma famille, au détriment de moi souvent. Je m'oublie. Je suis faite comme ça. Si les autres sont heureux, ben moi, je suis heureuse. Donc, le souci, le don de soi, elle s'oubliait beaucoup dans ses prises de décision-là. Ce qui m'a amené à quelques réflexions, et je termine là-dessus, la vie avec un enfant qui a une condition médicale complexe, c'est une réalité difficile, mais c'est une réalité aussi qui transforme. C'est-à-dire, les parents disent souvent, parlent de plus en plus de comment ils sont de meilleures personnes à avoir côtoyé leur enfant. D'avoir vécu avec un enfant comme le leur. Ça m'a amené aussi des pistes de réflexion par rapport à la responsabilité individuelle et la responsabilité sociale. C'est-à-dire, la responsabilité individuelle, je l'ai effleurée un peu tantôt. Quelle information on transmet aux parents quand vient le temps de prendre des décisions? Est-ce qu'on transmet essentiellement des décisions purement médicales? Où on permet aux parents d'anticiper les effets de cette décision-là sur l'enfant, sur la famille, sur le couple, sur la fratrie. Est-ce qu'on fait état des ressources? C'est une question. La responsabilité sociale étant, collectivement, on a décidé d'investir dans les technologies pour sauver la vie de ces enfants-là, parfois pour prolonger leur vie, hein, en leur fournissant, en investissant massivement dans la recherche pour développer des nouveaux médicaments, etc., etc. Donc, qui permettent de prolonger la vie de ces enfants-là. Mais quand vient le temps d'être à domicile, ben, on se rend compte que ces familles-là ont peu de ressources. Donc, je soulève la question de la responsabilité sociale, c'est-à-dire, oui, on fait le choix d'investir pour sauver la vie, mais il faudrait peut-être qu'on choisisse aussi d'investir pour la suite, c'est-à-dire la qualité de vie de ces gens-là, de ces familles-là. Ça m'a amené aussi à réfléchir sur l'intérêt, la question le concept du meilleur intérêt. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, quand on prend des décisions, réfléchir à partir du seul point de vue de l'enfant. Donc, est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Oui, mais est-ce qu'on peut intégrer aussi l'intérêt d'autres membres de la famille? Donc, une autre piste de réflexion, et là, je vous épargne la suite de ma réflexion, mais voilà. L'accompagnement dans la décision, je pense que cette étude-là, m'a permis de voir que oui, il y a un peu d'accompagnement qui se fait, mais pas tant que ça. Si on regarde, il y a des auteurs qui ont documenté le rôle de l'accompagnateur. Hein? C'est une personne qui pourrait valoriser, qui valorise l'implication des parents dans le processus décisionnel, les aide à décider. Ils accompagnent les parents comme des sujets autonomes et responsables. Confrontés à une situation difficile marquée par des dilemmes ou de l'incertitude. L'accompagnateur aussi soutient les capacités réflexives des parents en les aidant à réfléchir dans et sur l'action de façon à tirer profit de leur expérience. Donc, il les aide, les accompagne à prendre connaissance ou à réfléchir à leurs valeurs, à ce qui est important pour eux. Et ça, j'ai en tout cas, dans ce que j'ai entendu des parents, c'est pas quelque chose qui ressort de façon significative. Et je pense qu'on aurait intérêt comme accompagnateur aussi à situer la décision, les décisions dans une trajectoire, hein, à se rappeler des décisions antérieures, de regarder ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a eu comme résultat, comme impact, comme conséquence. Ça peut aussi influencer les autres décisions, les prochaines décisions. Je parle aussi de la pratique réflexive, et là, je vous épargne le détail, mais
je pense qu'on aurait intérêt comme professionnel à réfléchir dans et sur notre action, c'est-à-dire à se poser des questions. Comment je me représente mon rôle, mes devoirs, mes responsabilités auprès de l'enfant, auprès de ses parents, auprès de sa famille? Quelles sont les valeurs qui teintent mes interventions auprès de l'enfant, auprès de ses parents? Qu'est-ce que je vis, moi, face à la situation de cet enfant-là, qui est intubé, puis que les parents veulent continuer, le maintenir intubé alors qu'on pense qu'il serait mieux de l'extuber, etc. Donc, c'est toutes des questions auxquelles on doit réfléchir comme professionnel. Et évidemment, l'autre repère ou l'autre piste de réflexion, c'est la place des proches dans la vie des familles. Nos résultats ont montré que les proches sont parfois mal outillés pour soutenir ou accompagner les parents dans leurs décisions, dans leur quotidien même. Donc, quelle place on fait comme intervenant aux proches? Comment on les intègre dans nos interventions? Qu'est-ce que les proches comprennent en fait de la situation de ces familles-là, de ces enfants-là? Comment on conçoit l'intervention auprès des parents, des proches, des familles? Donc voilà le fruit de mes réflexions. Quelques résultats. Si vous avez des. Je vois qu'il est déjà 13h10. Donc, merci de votre attention. J'apprécie. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, ça va me